Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 13 décembre 2022. Dans cette dernière introduction 2022, je voudrais remercier le comité qui a organisé la soirée de reconnaissance et des bénévoles, Mme Brigitte Huot, Mme Élodie Brochu, ainsi que Messieurs Sylvain Morissette et Carole Denis. Ce fut un succès sur toute la ligne, même si on parlera de cette soirée dans le journal de décembre. J'aimerais féliciter les récipiendaires des bénévoles de l'année et de reconnaissance, Mesdames Linda Marcotte, Vicky Gagnon et M. Marcel Bessette. Un merci particulier à tous les organismes de soutien et de bénévoles qui font de notre municipalité une ville active et une ville de service pour tout le secteur ouest. Nota bene, j'ai à quelques reprises mentionné que l'adoption du budget 2023 se fera lundi le 19 décembre à 19 h au Centre communautaire. L'avis public mentionné dans le journal Le Courrier de Portneuf mentionne 20 h. Mais soyez avisés que nous serons présents quand même à 19 h pour répondre à toutes les questions concernant le budget et ça peut aller jusqu'à 20 h s'il y a encore des personnes à 20 h. Ça va? Merci. Dernière activité de loisirs pour 2022 et le début 2023. Le 17 décembre, défilé de Noël dans les rues de Saint-Marc. N'oubliez pas la collecte de denrées pour la Saint-Vincent-de-Paul. Du 25 janvier au 5 février, il y a le tournoi de hockey mineur. Le 25 janvier, spectacle de Fabien Cloutier. Et le 27 janvier, cinéma pour tous au centre communautaire. Maintenant, passons à l'Assemblée. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux gens de la salle. Je ne sais pas si je suis heureux de vous voir, mais on va le savoir après. Procès verbal de la séance ordinaire du 13 décembre. Adoption de l'ordre du jour avec les ajouts et les retraits. Reddition de compte pour le programme d'aide à la voirie locale. 2020-21-22, une autre édition de compte aussi pour la voirie locale 2022-23-24. Il y a aussi le premier versement pour le gymnase double, fondation de l'école secondaire Saint-Marc, et aussi l'autre ajout, c'est un substitut à la régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. On enlève ou on retrait au retrait le projet de règlement sur les tarification et taxation 6B qui sera en janvier 2023 et l'enlèvement du point 6N qui concerne la personne qui avait confirmé son intérêt. C'est pour le directeur de l'organisme. Oui, c'est ça, l'embauche. Exact. Alors, ces deux points-là sont enlevés de votre ordre du jour. Alors, qui adopte l'ordre du jour en tant que mentionné? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose l'ordre du jour tel que mentionné. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 8 novembre. Alors, vous avez reçu une copie 72 heures avant. Est-ce qu'il y a des changements ou des modifications à y apporter? Tout est bon. Ça va? Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Mot du maire, à l'exception des heures de bureau, je vous donne certaines informations que j'ai faites en termes de rencontres pour le mois de novembre. Le 9 novembre, on a eu une séance du travail à la MRC. Le 10 novembre, rencontre du comité exécutif du centre médical avec Mme Julie Blanchet pour le nouveau groupe de médecine familiale, le GMF. 11 novembre, formation sur le comité investissement en commun. J'ai assisté aussi à la journée du souvenir à Donnacana le 11. 15 novembre, budget 2023. 22 novembre, rencontre du comité d'investissement commun à la MRC. 24 novembre, assisté au souper du 50e anniversaire de la FADOC et une mise au jeu au tournoi M18 de Saint-Marc. 25 novembre, conseil d'administration du CMPOP à Saint-Uribe. 27 novembre, caucus budget 2023. 2 décembre, assister à une conférence à Saint-Raymond concernant la venue de 21 infirmières dans la MRC de Portneuf. Il y a eu aussi le 2 décembre la soirée reconnaissance. Le 5 décembre, caucus.
6 décembre, rencontrer un contracteur pour finaliser la phase 2 du centre médical. Rencontrer aussi Mme Julie Blanchet pour le GMF. Et aujourd'hui, le 13 décembre, comité d'investissement commun de la MRC. Alors, c'était les rencontres que j'ai faites dans le mois. Revenons à notre ordre du jour. Adoption des comptes du mois pour un montant total de 398 938,70 sous, incluant les salaires, tels que mentionné, salaire 89 077,8 sous, compte à payer 79 157,48 et journaux de déboursés 230 704,14 et 14. Qui fait la proposition? Mario Tessier, je propose. Monsieur Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Comme à l'habitude, à chaque mois, on vous dépose le rapport financier non fermé pour la période se terminant le 30 novembre. Si vous avez des questions, vous n'aurez qu'à les donner au directeur général. Avis de motion, règlement d'imposition de taxes municipales, de tarifs et compensations pour l'année financière 2023 et des modalités pour le paiement des taxes et compensations municipales. Donc, c'est un avis de motion. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Et le projet sera mentionné en janvier 2023. Adoption du règlement 251-02-2022 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Alors, on est rendu vraiment à l'adoption. Alors, qui propose cette réglementation-là? Je propose, Mario Paquette. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du projet 2 du règlement 312-46-2022. Modifiant le règlement 312 afin d'ajuster certaines dispositions relatives aux usages et au parc industriel. Alors, en résumé, le but du règlement, c'est de permettre deux bâtiments principaux sur un même terrain à l'intérieur des zones industrielles de la zone industrielle IB3 correspondant au parc industriel, d'autoriser des bâtiments principaux ayant une forme circulaire, semi-circulaire ou cylindrique, ainsi que les bâtiments préfabriqués, métalliques ou en toile, dont la structure est en forme de dôme dans la zone IB3, alors que ces constructions sont actuellement permises uniquement pour les bâtiments complémentaires dans cette zone. D'abroger l'obligation d'aménager un espace tampon pour les terrains contigus aux zones industrielles I1, IE1 et IE2. Alors, qui propose cette... Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Service professionnel pour le renforcement de la structure de l'Hôtel de Ville. Philippe Expert conseil. On est toujours à travailler sur la rénovation de l'Hôtel de Ville, évidemment à moindre coût. Alors, on a reçu une proposition pour... renforcer la structure de l'Hôtel de Ville et le conseil accepte l'offre de Philippe Expert Conseil pour le renforcement de la structure à un montant de 5 000 $ taxes en sus et 1 000 $ pour les frais de déplacement. Alors, qui le propose? Mario Tessier, je propose. Mario Tessier, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Le 5 000 $, c'est évidemment pour les plans et devis là, pour faire la structure. Adoption du budget 2023, la régie de gestion des matières résiduelles de Portneuf. Alors, comme à chaque année, on est obligé d'adopter ce fameux budget-là, et qui monte à 8 571 251 $. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Approbation du budget 2023 de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf.
Alors, le conseil approuve le budget 2023 de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf pour la ville. HLM, un montant de 6 000 le PSL1 privé, 1791,60 et le pavillon André Darvaux, 6 835,20 pour un montant total de 14 626,80. Qui le propose? Mario Tessier, je le propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Office de services professionnels en droit municipal pour 2023. Alors, c'est tout simplement une proposition pour un forfait première ligne qu'on a récurrent à chaque année avec un groupe d'avocats. Et ce montant se monte à 1 000 par année pour l'année 2023. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Comme à chaque année, encore une fois, la liste des personnes endettées pour non-paiement de taxes. Alors, comme vous le voyez, c'est un montant de 147 325,53 pour l'année qui vient. Alors, on va malheureusement procéder à la recherche de ces taxes-là pour montant non payé. Alors, c'est un dépôt. Et aussi, on demande que le trésorier soit autorisé à prendre les procédures nécessaires pour le recouvrement des taxes. Alors, qui propose la liste des montants pour non-paiement de taxes? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Autorisation de signataire Caisse Desjardins. Bien, c'est tout simplement pour me faire une mise à jour à la Caisse Desjardins. C'est d'enlever la suppléante de l'année dernière pour la remplacer par Mme Claire Dussault pour la signature des chèques. Ça va? Oui. Alors, qui propose cette demande-là? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Annulation de la résolution SM-6903-22. C'était pour l'installation de matériel de visioconférence au deuxième étage de l'Hôtel de Ville. Les besoins ont été modifiés et c'est pour ça qu'on faut annuler cette résolution-là, puisqu'elle n'a plus ça de raison d'être. Proposition? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Modification de la résolution SM-313-12-21 concernant le poste budgétaire achat d'un balai ramasseur Aventis coopérative. Bien, c'est tout simplement pour la modification, c'est pour but de statuer sur la provenance des fonds pour cet achat. Donc, on vous mentionne dans la résolution que c'est pris à même le surplus non affecté. C'est une demande de nos comptables qui sont venus là, le mois dernier. Alors, qui le propose? Mario Tessier, je propose. Monsieur Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Oui. Modification de la résolution SM-4402-22 concernant le poste budgétaire mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1. C'est tout simplement de modifier la résolution, encore une fois, pour la provenance des fonds qui seront pris à même le programme d'aide financière de la TEC. Alors, qui propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. L'embauche d'un directeur de service d'urbanisme est remis à plus tard, puisqu'il s'est désisté. Offre de service, élaboration d'un plan de protection des sources en eau potable. Ici, c'est tout simplement, M. le directeur, un appui. Oui, c'est juste un appui pour une demande d'aide financière au niveau du gouvernement du Québec. Puis, s'ils ont l'argent, fait qu'ils vont procéder à l'analyse d'une autre source d'eau potable. Notre source d'eau potable, mais on n'a pas d'aide financière présentement à donner à cette organisation-là, M. le maire. Ça va. Alors, c'est juste un appui. Qui la propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Autorisation de signature entente intermunicipale relative à la mise en place d'un service commun d'urbanisme
Alors, c'est tout simplement une autorisation pour que le maire et le directeur général soient autorisés à signer l'entente intermunicipale de sa mise en place pour un service d'urbanisme pour 4 municipalités, Saint-Marc, Saint-Uribe, Saint-Léonard et Saint-Alban. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Appui à la résolution adoptée par la MRC d'Athabasca concernant la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement et demande de modification urgente de l'article 65.1 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et celle de la MRC de Portneuf. Alors, vous avez lu la résolution. Alors, qui la propose? C'est une résolution toujours d'appui. Ça va? Oui. Qui la propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci. Mise en vente des terrains du développement résidentiel en bloc. Alors, on a tout simplement, le conseil a décidé d'un commun accord d'autoriser le directeur général à élaborer et publier un appel d'offres public à la mise en vente en bloc du terrain qu'on a acheté pour le développement résidentiel. Donc, on cherche un promoteur pour ce bloc de terrain à vendre afin qu'un jour ou l'autre, on ait des maisons à Saint-Marc-de-Carrière. Alors, qui propose ce mandat au directeur? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. J'aimerais peut-être que le troisième que, oui, qu'on le modifie, qu'on marque juste, soit octroyé ou plus offert. OK. Je sais si vous êtes d'accord avec ça, non? Oui. Le troisième que, qu'on enlève, là, que le principe premier arrivé, premier servi s'applique. Là. Ah. On l'offrira au plus offrant. Ça va? Oui. Oui. On est rendu aux factures, service professionnel, laverie, avocat, service juridique, un montant de 695. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Facture, études préliminaires, augmentation de la capacité du traitement de la STE, WSP Canada. Alors, c'est un montant de 369,10 pour l'étude préliminaire sur l'augmentation de la capacité de traitement de la STE à WSP Canada Inc. Qui le propose? Mario Tessier, je propose. Mario Tessier propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Facture, études relatives au projet de séparation du réseau et activités préparatoires Tetra Tech. Alors, on avait un mandat de 38 500 dans ce dossier. Là, on autorise un paiement de 3 099,68. Est-ce que c'est un des derniers montants, ça, monsieur? Non, pas du tout, monsieur le maire. C'est un montant progressif parce qu'ils sont encore à l'étude pour le projet. D'accord. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Demande de don pour panier de Noël, École secondaire Saint-Marc. On a reçu une demande de don pour, évidemment, les paniers de Noël des familles dans le besoin dans l'Ouest de Portneuf. Et le conseil octroie un montant de 250. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Demande de contribution financière au Carrefour FM. Une demande de contribution d'aide financière octroyée de 150 par la municipalité. Qui le propose? Mario Tessier, je propose. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Demande de commandite, club de patinage artistique. Que le conseil autorise une commandite de 250 pour le club de patinage artistique pour leur prochain spectacle qui aura lieu le 15 avril 2023. Alors, qui le propose? Mario Paquette propose. Monsieur Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui.
Oui. Merci. On a fait des ajouts à l'ordre du jour. Alors, on a rendu ces ajouts. Reddition de compte, plan d'aide à la voirie locale 2020, 21 et 22. Alors, qui propose la reddition de compte? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Reddition de compte 2022, 23 et 24. Qui propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Je pense qu'on est rendu au dernier point. Versement du montant de première année à la Fondation de l'École secondaire de Saint-Marc-des-Carrières dans le cadre du projet de construction du gymnase double. Alors, on avait évidemment convenu d'une entente pour la ville au montant de 105 265 $ sur 5 ans pour la construction du projet d'un gymnase double à l'école secondaire. Alors, c'est un montant de 20 853 $ qu'on a à donner en 2022. Qui le propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Et c'est pris dans le surplus non affecté. On a fait le tour. Il reste la désignation d'un substitut à la régie. Ah, oui. Désignation d'un substitut on avait une ancienne collègue qui s'est désistée, alors il faut la remplacer. Alors je pense qu'il y a une proposition pour un substitut à la régie, c'est pour Carole Denis, c'est ça? Oui. Est-ce que tout le monde accepte cette proposition? Oui. Qui la propose? Je propose. Monsieur Mario Paquette propose Carole Denis en remplacement à la régie. On a fait les points de l'ordre du jour, M. le directeur? Oui. Alors, on est rendu à la période de questions. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue. Non. La levée de l'Assemblée, ça se fait après. La parole est à vous. Il y a un micro. Oui, M. le maire. Le point B, il n'est pas l'ordre du jour, mais on peut quand même poser des questions en relation. Le point B, c'est le budget? Le budget, oui. Oui, 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 absolument. Oui. Si on est capable de vous répondre là, parce qu'il n'est pas encore tout à fait ficelé, là, mais il s'en vient bien. Bien, par rapport au nouveau rôle d'évaluation, sûrement que le conseil, vous avez déjà discuté, pensez-vous d'ajuster votre taux de taxation pour essayer de baisser les augmentations faramineuses, on peut dire, jusqu'à 350 $ par mois? Bon, ce que je peux vous dire actuellement, c'est que oui, il va y avoir une baisse du taux, mais c'est certain que ça ne pourra pas équivaloir à l'augmentation des évaluations municipales qu'on a tous reçues. On a une évaluation qui a augmenté de 19,43 %. C'est beaucoup, énorme, et malheureusement, la Ville n'a pas de pogne là-dessus, excusez l'expression. C'est vraiment la MRC qui évalue le rôle d'évaluation. Et c'est impossible pour nous de vous confirmer actuellement que la baisse du taux de taxe va équivaloir à l'augmentation de l'évaluation municipale. Ça va être impossible. Non, jusque là, je comprends. L'autre point, le point, la mise en vente, comprenez-vous? Il marche super. Ah, merci. Okay. Okay. La mise en vente. on peut l'enlever, là. Un, deux. Ah, oui. Ça va. J'espère qu'on va parler plus fort, tout simplement. Oui. La mise en vente des terrains du développement résidentiel. Oui. Est-ce que là, toutes les autorisations sont là pour le développement ou c'est encore des ça accroche encore avec certains ministères? La première des choses, c'est que nous autres, on doit se protéger au niveau de l'avis public qu'on doit mettre. C'est la première fois qu'on va faire cette procédure-là. Alors, c'est pour ça que le directeur a eu un mandat de procéder avec les avocats, d'avoir une mise de procédure là, en bonne et due forme. Et c'est pour ça qu'on a aussi changé le règlement sur les promoteurs. Alors, la procédure s'en vient.
Elle va être évidemment publicisée dans les journaux pour qu'on ait un promoteur afin d'acheter le terrain selon, évidemment, des conditions que l'on aurait émises dans le règlement. C'est pas décidé encore si les rues vont être à l'achat à ce moment-là du promoteur? C'est certain que c'est le promoteur qui va avoir les rues à faire. Oui, en conséquence. Bon, bien, merci. Puis je dois aussi vous préciser qu'il y a aussi un autre terrain que l'on va regarder pour un développement résidentiel à petit gabarit. Et ce terrain-là, la municipalité l'a acheté cette année. Ce terrain se situe entre le pavillon André Darvaux et la chambre de commerce sur la rue Saint-Joseph. Alors, on garde ce terrain-là pour justement faire un développement à petite maison et aussi avec la biomasse. Alors, c'est un projet qu'on a là, dans nos goussets. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Suite à M. Arsenault, qui a parlé concernant les taxes municipales. Oui. J'en conclue là, que le montant pour le taux de taxation, ça n'a pas encore été fixé. Bien, il va être fixé là, dans les prochains jours. Nous autres, on a une bonne idée, mais le règlement n'est pas encore finalisé parce qu'on a des retouches au niveau juridique à faire dans ce règlement-là parce qu'on a des taux variés qu'on n'avait pas avant. D'accord. Vous ne pouvez pas nous en laisser une idée approximative? Bien, ça, écoutez, je ne peux pas vous donner de pourcentage, mais pour nous autres, ça représente une baisse quand même appréciable. Mais je vous le dis d'avance, ça ne réglera pas l'augmentation des évaluations municipales. Je vous avais donné, je pense, dans le journal du mois d'octobre, la maison moyenne, là, en 2021, était à 170 584 et actuellement, elle est située à 204 039 $. C'est une augmentation de 19,62% de son évaluation. Et ce qui représente environ une augmentation de 33 455. Et si on n'avait pas à baisser les taxes, si on laissait les taxes actuelles à 1 du 100 pièces d'évaluation, on aurait une augmentation de 334 $ 55. Oui, ça, c'est pour la taxe foncière. Oui. Puis il faut rajouter les taxes de services ou également. Les tarifications. Ouais. Probablement qu'il va y avoir encore des augmentations. Mais c'est pas trop pire, ça. C'est pas si pire. Mais on va toujours justifier. Vous n'aurez qu'à vous présenter lundi le 19 et on va tout justifier le règlement. Pas le règlement, mais le budget en tant que tel. D'accord, parce que quand je vois, là, encore, pour la liste des personnes endettées, il y en a encore beaucoup, là, comme à tous les ans, là, qui ont de la difficulté à Saint-Marc. Il faudrait en prendre aussi en considération. Faudrait? En prendre en considération. Ah, effectivement. Écoutez, vous le savez, Mme Allard, vous avez été longtemps là-dedans. On a malheureusement, on n'a pas le choix. Nous autres, il faut donner les services en conséquence des revenus qu'on a. Fait que je vous remercie, fait que je vous fais confiance concernant le taux de taxe. Mais je vous l'aurais dit, là, ne vous attendez pas à ce que le taux de taxe, il va baisser. Mais il ne baissera pas par rapport à l'évaluation municipale que les gens ont eue en augmentation. Il faut être très clair là-dessus. Ça va? On va toutes vous donner des justifications, mais attendez-vous à des augmentations, c'est très, très, très clair. Le monde municipal, là, vous savez, là, c'est comme nous autres, taux d'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt qui sont montés là, d'au moins 2,5%. On a fait un refinancement et ça nous a coûté 11 200 $ d'intérêts supplémentaires pour l'année 2023 et les prochaines années. Et on a un autre refinancement à faire. Donc, c'est tous des ajouts qu'on a. On a des augmentations au niveau de la régie, des augmentations de la SQ, des ajouts qu'on a fait pour, que je viens de vous mentionner, pour le gymnase double. On en a aussi pour la formation. En tout cas, il y a beaucoup d'augmentations cette année. On essaie de faire de notre mieux avec ce qu'on a comme revenus et dépenses. D'autres questions? Merci.
Concernant les compteurs d'eau. Oui. Les compteurs d'eau, quand je regarde là, sur le bulletin de la municipalité du Mont-de-Marne, on parle là, qu'il y aurait 60 résidences qui seraient mises à l'essai. Oui, mis à l'essai, c'est ça, c'est vraiment à l'essai. Et c'est une obligation du gouvernement, parce que le gouvernement trouve que la municipalité de Saint-Marc-de-Carrière prend beaucoup trop d'eau. Alors, c'est pour ça qu'il nous oblige à mettre ou à installer des compteurs d'eau. On a installé des compteurs d'eau dans la plupart des commerces, industries et agricoles. Là, on nous oblige à aller dans le monde résidentiel. Alors, on nous oblige pour l'année 2023 à en avoir au moins 60. Et c'est pour ça que là, on a fait une demande à tous, un appel à tous pour voir si les gens sont intéressés à ce qu'ils aient un compteur d'eau. Ça ne veut pas dire que vous allez payer plus cher d'eau potable. Ça veut tout simplement dire que vous allez avoir un compteur d'eau. Et si vous dépassez le montant forfaitaire que vous avez dans le règlement, là, vous allez avoir à payer de l'eau supplémentaire. Mais ça me surprendrait énormément au niveau résidentiel. C'est-tu juste pour Saint-Marc, les municipalités voisines? Non, il y en a plusieurs autres municipalités qui sont comme ça. Mais c'est pas toutes les municipalités. Oui, il faut ajouter, je crois, que les compteurs d'eau pour ces 60-là est gratuit. Là. Oui, c'est marqué dans le journal aussi, oui, je pense. Oui, c'est ouais. Mais par la suite, je suppose que d'une année à l'autre, ça va être toutes les résidences qui vont être... Oui. Puis moi, j'ai... Puis à ce moment-là, ça va être gratuit également pour les autres? Bien, écoutez, gratuit, il faut s'entendre. Là. On ne se le cachera pas. Là. Le coût des compteurs d'eau, c'est tout le monde qui va payer ça. Là. Hein, on... Oui, ça va peut-être être compris dans la tarification. Mais pour l'installation? Oui, c'est un montant d'environ 350 $ là, l'achat plus l'installation. C'est ça que ça va coûter environ pour la municipalité. Mais... Vous savez, je dis ça assez régulièrement, on change le mot municipalité pour la population. Hein. C'est la population qui va payer les compteurs d'eau. Hein. Oui. Bon, comme tout. Donc, j'ai pas de cachette à vous faire là-dedans. Là. Non, je suis assez direct, M. Tessier. C'est une expression, ça. Bonsoir. Je voudrais savoir qu'est-ce que la municipalité a l'intention de faire pour les piétons avec les rues glacées qu'on a depuis les dernières années. C'est vraiment très glacé, puis c'est dangereux parce qu'il y a un petit peu de sable qui est mis au centre de la chaussée. Mais dans les côtés, là, les gens ne marchent pas en plein milieu de la rue. Là. Ils marchent dans les côtés. Et c'est très glacé. On marche avec des crampons, des bâtons de marche avec des pics. Puis c'est même dangereux, il faut faire très attention. Je rencontre, moi je suis une marcheuse, je rencontre des gens. Tout le monde s'en plaint, mais personne ne vous avertit. Moi j'ai appelé deux fois, j'ai appelé l'année dernière et j'ai rappelé cette année. Parce que là, à la dernière fois, là, après la pluie, là, c'était vraiment glacé. Je vous accorde ça que là, un mois environ, là, je te dis qu'il n'a pas été. Il n'a pas passé, c'est pas compliqué. Les dernières années, là, c'était terrible. Je vous dis, là, les dernières années, les marcheurs s'en plaignent, mais personne, moi je leur dis, appelez la municipalité, mais personne n'a fait. Ils ne veulent pas appeler. Alors, moi, j'ai appelé l'année dernière, puis j'ai rappelé cette année après la pluie. Puis, est-ce que l'année dernière, on a satisfait rien, vos... Rien n'est fait. Absolument rien n'est fait. Depuis les dernières années, là, rien n'est fait. Bon, moi, là... je dis, pourquoi pas mettre du sable des deux côtés? Alors, à ce moment-là, les automobilistes auraient au moins une roue dans le sable, puis les piétons auraient les deux pieds dans le sable. On prend bonne note, madame. Puis, ma deuxième question, vous parliez de la promotion d'un terrain. Pourquoi que la municipalité ne fait pas elle-même la promotion? Elle aurait en même des profits? Au lieu d'un promoteur, c'est trop compliqué de le faire vous-même? Écoutez, pour faire un développement résidentiel, là, il faut emprunter. Des routes résidentielles, c'est très, très cher. Et je peux vous confirmer que les développements résidentiels qu'on a fait par l'entremise de la ville, on paye encore pour actuellement. Alors, c'est des règlements d'emprunt qu'on est obligé de faire, mais qu'on doit rembourser. Puis le nombre de terrains, oui, c'est le fun d'avoir des nouvelles maisons, mais il faut emprunter pour ça. Puis ça prend plusieurs années avant qu'on puisse retrouver notre argent là-dedans. Ça prend combien d'années à peu près pour le rentabiliser? Ah, facilement 20-25 ans. Oh, oui. Okay. Quand on paye un règlement d'emprunt, là, c'est sur 20 ou 25 ans,
Et c'est après ça qu'on réussit à faire de l'argent. Quand je dis à faire de l'argent, à faire des revenus là-dedans. C'est pour ça que cette année, on fait l'essai de voir si on peut avoir un promoteur pour que lui le fasse. Et à ce moment-là, ça va revenir au même pour nous autres. Parce que nous autres, le but, c'est d'avoir des nouvelles maisons à Saint-Marc-Carrière. Ça a l'air agréable. Merci. Merci. Pour les compteurs d'eau. Oui. Pour les commerces. Oui. OK. Moi, j'aimerais savoir comment c'est déterminé. Il y a une tarification de base, il y a un litrage qui est permis à tout le monde. Comment c'est déterminé qu'un commerce, il y a tant de litres avant qu'il paye? Bien, c'est selon notre réglementation que vous allez avoir en janvier-février, vous allez avoir dans cette réglementation-là le coût forfaitaire pour différentes catégories de commerce, de résidentiel et aussi d'industrie. Là, je ne peux pas vous les mentionner là, là parce qu'on le passera en janvier seulement. J'ai décidé par rapport, mettons, à d'autres villes ou par rapport à notre ville? Non, c'est par rapport à nos coûts à nous autres. Parce que la tarification, là, c'est vraiment par rapport, puis on va vous le montrer aussi lundi, quand on détermine, exemple, pour le résidentiel, bien, on a les dépenses, entre autres, exemple, pour les égouts. Bien, si ça nous donne 300 000 de dépenses, bien, il faut aller chercher la tarification pour avoir notre 300 000 au niveau résidentiel. Alors, c'est pour ça que dans la réglementation qu'on aura, il y a un montant forfaitaire pour, exemple, les égouts. L'eau, c'est en fonction de la ville qui partage à travers les commerces. C'est les dépenses, utilisateur-payeur. Pour la tarification. Bonsoir, conseil. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur Trottier, bonsoir. Je n'étais pas venu ici pour poser aucune question précise. C'est votre manière de procéder qui m'amène à en poser une. Elle s'adresse peut-être à une manière de financement. Comment pensez-vous, si c'est très dispendieux pour une municipalité, de réaliser la promotion pour la construction résidentielle, agrandir notre assiette fiscale, intéresser des promoteurs dans un contexte de hausse de taux d'intérêt, d'augmentation des coûts, pour que lui, qui a un horizon des fois pas moins que 25 ans, qui veut rentabiliser son business. C'est ma question. Simplement, est-ce que vous avez des études, des analyses ou des références qui vous permettent de croire que le taux où on est rendu avec les taux d'inflation ont été de plus en plus dispendieux pour être capable de satisfaire le règlement municipal au règlement d'environnement et compagnie. Bien, ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des intéressés, il y a des promoteurs qui nous sont venus frapper à notre porte et on n'était pas prêts parce qu'il nous manquait justement des différentes données au niveau gouvernemental, le fameux certificat d'autorisation, etc. Oui, il y a des promoteurs qui sont intéressés à venir faire des développements à Saint-Marc. C'est la première fois que je vois ça, moi, depuis 25 ans. Alors, c'est pour ça qu'on va essayer d'en profiter. Au lieu d'emprunter pour faire les rues, puis d'attendre plusieurs années avant que ce soit quand même profitable pour la ville, on préfère, pour une première, là, donner cette possibilité-là. À ce moment-là, j'ose croire que les coûts d'acquisition vont être avantageux parce que votre marge de manœuvre est sur le prix de la revente. Exactement. Merci. Faites-vous-en pas, c'est calculé pour. Puis, M. le maire, je peux ajouter aussi, on a des demandes individuelles aussi qu'on reçoit à la ville, parce que les gens cherchent des terrains à construire aussi, autres que des promoteurs. Oui, il y a des contracteurs qui sont intéressés à acheter 7, 8, 10 terrains, mais pour ça, il faut que les rues soient faites. On n'a pas l'intention actuellement, je dis actuellement, de faire un développement résidentiel municipal, c'est vraiment donné à un promoteur. Si c'est possible, évidemment. Tu as ajouté quelque chose? Je ne sais pas qui a posé la question pourquoi ce n'était pas la ville qui le faisait. Là. André, tu parlais, tu disais, est-ce qu'on a des idées pour la promotion, etc. Bien, dites-vous une chose, que si c'est un privé qui achète les terrains, il va être beaucoup plus agressif que la ville, beaucoup plus rapide, puis dans le contrôle des coûts aussi, ça peut arriver que ça soit mieux que la ville. Donc, à mon avis, c'est une option, moi, je crois fermement que c'est une option qui est meilleure que de le faire en régie ou quoi que ce soit.
Ma question n'était pas adressée pour critiquer la méthode. Non, non, je suis effectivement content parce que la promotion de la ville passe par augmenter l'assiette fiscale, quelle que soit la tarification qu'on finit par charger. Ça suit les coûts et il y a des relativités qui sont faciles à exprimer. Mais mon intention, c'était de savoir, vous avez probablement le vent d'un voile, si c'est possible, mais ce que tu fais comme expression, Mario, la rationalisation des coûts se fait un peu plus serré lorsqu'il s'agit d'intérêts privés. Pas que critique ou que j'avais mal, mais c'est la nature des choses. Oui. D'accord. D'autres questions? Excusez, d'autres questions? Tout est beau? Alors, on vous donne rendez-vous le 19 pour... on va essayer de répondre aux questions que vous allez, mais attendez-vous pas à ce que votre facture municipale soit identique à 2022. Oubliez ça, avec les augmentations qu'on a, on n'a pas le choix. Le monde municipal fait malheureusement partie du monde normal. Le taux d'inflation, les coûts de gaz, tout rentre en ligne de compte. Les taux d'intérêt qui augmentent, on y passe tout. D'accord? Merci, bonne fin de soirée. Proposition de la levée de l'Assemblée? Je propose. Claire Dussault, merci, bonne fin de soirée.